Unega brusen hedima senare ra treides. Monsieur Marc Angenoux, qui est l'auteur de quelques 75 ouvrages d'histoire des idées politiques et de rhétorique de l'argumentation. C'est lui qui a fondé la théorie du discours de l'analyse sociale, et il a influencé un nombre incalculable de disciples, et il est professeur émérite, titulaire de la chaire James McGill de théorie du discours social à McGill, et il est membre de l'Académie des lettres et des sciences humaines de la Société royale du Canada. Parmi ses derniers livres, nous avons un recueil d'essais qui est paru au Brésil, au Discurso Social et As Retoricas da Incompreensão. Oui, c'est ça. Au discours social, As Retoricas da Incompreensão. Voilà, après des années au Brésil, on finit. Oui, vous faites. Renaissance de la rhétorique, Perelman. Aujourd'hui, ce sont des études réunies par Marc Angenoux, Marc-André Bernier, Marcel Côté, qui viennent de paraître en 2016. Aux éditions Nota Bene à Montréal, et le volume numéro 46 de Discours social, Robespierre et l'art du portrait, qui est remarquable. Merci. Et qui ferait des chemins nouveaux. Merci. Alors merci Josiane, et donc bonjour, le titre annonce 2 siècles d'argumentation antidémocratique. Je me suis dit qu'en 40 minutes, 1 siècle devrait vous suffire. Et donc, ce sera en effet 1 siècle en prenant pour date 1815 à 1917, 1917 étant le moment où le socialisme passe du socialisme sur papier au pays où naît l'avenir, comme disait l'humanité vers 1930, c'est-à-dire passe du virtuel au passage à l'acte. Et donc, je commencerai, par une citation de Pierre Rosanvallon, qui dit « La démocratie constitue depuis 2 siècles l'horizon évident du bien politique. » Mais Rosanvallon ajoutait cependant que celle-ci a été toujours incertaine d'elle-même, disputant de ses composantes et de leurs conflits, et souvent vacillante. Rosanvallon étudie dans « Le peuple introuvable » les expressions du récurrent malaise dans la démocratie qui s'exprime depuis 2 siècles en France, de l'abstentionnisme au mépris récurrent de la classe politique dans l'opinion, qui n'est pas une chose nouvelle, vraiment cyclique. 1 siècle et demi auparavant, Alexis de Tocqueville avait représenté la démocratie comme cet horizon de la modernité politique, non pas comme un bien absolu toutefois, mais comme une dynamique par-delà le bien et le mal. Il en parle, je le cite, comme d'un fait providentiel, universel, durable, échappant chaque jour à la puissance humaine, servie par tous les événements comme par tous les hommes. Alors je me propose, dans les minutes qui vont suivre, de mettre en question ces propos un peu trop synthétiques, en décrivant et en cherchant à interpréter l'hostilité de principes fondés en doctrine socialiste et libertaire à la démocratie, telle qu'elle s'est argumentée dans tous les secteurs de l'extrême-gauche, de l'époque romantique jusqu'à la Première Guerre mondiale, au cours d'un 19e siècle qui a vu se transformer du tout au tout, et les institutions représentatives, et le rôle de l'État, et la condition de ce qu'on appelait les classes laborieuses, la persistance des mêmes théories données pour progressistes, qui récusent et dénoncent la malfaisante et trompeuse démocratie, et promettent d'en débarrasser l'humanité émancipée après la Révolution, mérite qu'on s'y arrête. Je voudrais faire donc apparaître, à travers le déchiffrement des arguments hostiles, des condamnations et des contre-propositions,
une certaine manière de raisonner sur le social qui a été le propre des grands récits modernes, énigmes supposées résolues du malheur des hommes. Ben, on conçoit sans peine que dans l'espèce de temps de 30 ou de 40 minutes, je vais être extrêmement sommaire, schématique et cursif. C'est en effet ici une vaste question d'histoire des idées, des idéologies, que j'ai abordée dans plusieurs de mes livres. Cette hostilité prépare le terrain et étend son ombre sur l'esprit totalitaire qui s'est répandu après la Première Guerre mondiale et rencontre ici donc, merci beaucoup comme c'est aimable, une question qui est au cœur de mes recherches, celle du rôle anticipateur et légitimateur des idées dans l'histoire. Quel est le rôle des idées? Bien, alors si l'étymologie définit la démocratie comme le pouvoir du peuple, il suffisait peut-être de rejeter le mot démocratie pour qualifier un régime bourgeois où le peuple n'avait aucun pouvoir du tout. Si je me situe dans les années justement de la monarchie de Juillet, le socialiste romantique Pierre Leroux avait corrigé vers 1840 « démocratie non pas, le Parlement, la justice et les autres institutions étant soumis à l'argent et aux riches, mais plutocratie ». Est le mot qui convenait, plutocratie, va être repris par Proudhon, et à travers Proudhon, qui rajoute aussi pornocratie, n'est-ce pas, c'est le gouvernement des cocottes, hein, sous le Second Empire. Donc plutocratie et pornocratie, un bouquin de Proudhon qui s'appelle « De la pornocratie », il n'était pas, disons, d'un féminisme exaltant. Donc le mot plutocratie va persister en français, mais il se rencontre, aussi bien du reste au Québec qu'en France, plutôt à l'extrême droite. C'est un mot d'Action française, quand l'Action française feint d'être, se met un faux nez gauchiste. Alors, Leroux et plusieurs critiques sociaux sous la monarchie de Juillet actionnent ce que la rhétorique appelle la topique des inséparables. Elle va démontrer inséparable l'exploitation capitaliste et la démocratie politique, celle-ci étant le moyen sournois de perpétuer celle-là, et cette dernière apparaît condamnable tout d'un tenant avec le système économique criminel qu'on se propose d'abattre. Cette connexion forme alors l'argument antidémocratique par excellence, quoique vous allez voir, plusieurs autres viennent l'étayer. La démocratie titre la guerre sociale en 1907, le journal de Gustave Hervé. La démocratie est la forme idéale de la domination capitaliste, c'est un grand titre du journal. La violente revue de l'antimilitariste Gustave Hervé dénonçait spécialement, et là la citation vaut aussi, il n'y en aura pas tellement, le suffrage universel où la minorité consciente est écrasée par le plébiscite des alcooliques, des boutiquiers et des imbéciles. Alors ça c'est très important parce que ça caractérise à mon avis tout à fait l'éthos de l'extrême-gauche à la Belle Époque. C'est-à-dire l'idée que le mépris de la majorité inconsciente qui est toujours qualifié, j'ai fait une longue étude là-dessus dans une revue de sciences politiques, de émasculé. Émasculé. La minorité consciente est virile et consciente, et les autres sont inconscients et émasculés. Évidemment, on ne peut pas souhaiter que les conscients, qui sont fatalement minoritaires, soient écrasés dans la masse des crétins. Et donc, ceci est vraiment propre à ce qu'on appelait le syndicalisme révolutionnaire dans le parti français SFIO, à partir de 1905, fraction qui met ses seuls espoirs dans les minorités agissantes. Ce sont elles seules, répète toute l'extrême gauche de la gauche socialiste, ce sont elles seules qui jouent un rôle dans l'histoire, et pas étonnant, évidemment, alors que les bourgeois cherchent à les noyer dans la masse inconsciente. Le trope de la virilité militante est tout à fait récurrente. Pour le reste, ceux qu'on avait appelés, ce qui est, il faudrait expliquer pourquoi l'expression est absurde, les anarcho-syndicalistes, ne faisaient que paraphraser avec vigueur une thèse tout à fait explicite de Friedrich Engels, qui, avec toute l'autorité dont il était revêtu, posait quand même pas mal de problèmes aux socialistes parlementaires. Engels avait dit « Le suffrage universel est le dernier instrument de règne des classes possédantes ». Et ceci avait été donc, répète le discours, c'est pas moi, c'est beaucoup de discours indirects libres, ça avait été une habile malice de la bourgeoisie française
de prétendre offrir au peuple en 1848 ce cadeau à la fois dérisoire et empoisonné, le suffrage universel. Tout parlement est nécessairement l'humble serviteur de la classe dominante. Il contribue à l'oppression de la classe ouvrière, mais au contraire des anciens despotismes, il le fait désormais avec l'assentiment apparent des masses mystifiées, ce qui le rend encore plus répugnant. La démocratie est, je vous cite des thèmes d'époque, la clé de voûte, la pierre angulaire de l'édifice contre-révolutionnaire. Voilà, pas des propos occasionnels. La démocratie est une imposture dans une société capitaliste où tout du reste est mensonge organisé. Là, je vous propose, il y a pas mal de sujets de thèse possibles, une histoire du mensonge. Voilà, une histoire du mensonge, du discours sur le mensonge, depuis la représentation, c'est bien pour ça que Lénine appellera son journal « Pravda », la vérité. La bourgeoisie est menteuse, mais en effet, Panaïtis Rati et Ante Cheliga vont revenir de l'Union soviétique des années 30 avec ce livre terrible de Cheliga, « Au pays du grand mensonge », revenant de l'Union soviétique, où on a constaté qu'il n'y a pas une légère discordance, il y a une contradiction totale entre le discours vers l'extérieur et la réalité de l'URSS. Bon, donc, encore discours d'époque, je reviens à 1900. Le jour où la bourgeoisie cessera de mentir, elle disparaîtra, car elle ne pourra plus subsister. Ça, c'est un propos de August Bebel, le leader de la social-démocratie allemande. La démocratie représentative, le mensonge électoral, est donc la pierre angulaire du mensonge bourgeois. Quant aux anarchistes, qui sont encore bien pires, évidemment, qui lui restent prônent l'abstention depuis les années 1830, ils ridiculisent à longueur de pages sous la Troisième République le suffrage universel, cette fumisterie, cette duperie par lequel le peuple jouit du droit de se choisir un maître, cette mystification sans égale dans les annales de la bêtise humaine. Autre aspect, en effet, qu'on vient d'aborder dans les deux derniers exposés, justement, les libertés bourgeoises. La démocratie serait inséparable de liberté, etc. Les bourgeois n'ont que la liberté à la bouche. Ils prétendent que 1789 a apporté à tous la liberté. Ils reprochent aux socialistes, en effet, c'est vrai, de vouloir abolir la liberté, en prônant d'instaurer, ça aussi est une expression de très longue durée, on ne dit pas le goulag, mais ce sera le socialisme de la caserne et du couvent. Ça se répète chez les anarchistes, les compagnons anards depuis Proudhon. Le socialisme de la caserne. Mais enfin, pour les bourgeois, répètent les socialistes, la liberté signifie surtout liberté du commerce, c'est-à-dire libre concurrence, laisser faire, il signifie le libre droit d'exploiter les travailleurs. Le critique social de Louis Blanc, qui est la grande figure réformatrice des années qui précèdent la révolution de 1848, et qui est aujourd'hui une station de métro, Pierre-Éliott Trudeau est devenu un aéroport, donc très bien. Louis Blanc dénonce la libre concurrence comme étant le premier des maux à éliminer pour régénérer la société. Supprimer. La concurrence est facteur d'anarchie, elle est la cause de la surproduction, des alternances de crises économiques, elle est la source de maux immenses, non seulement pour les exploités réduits à la misère par la baisse des salaires et le chômage, mais remplacés par des machines ou par des femmes et des enfants, mais pour les industriels eux-mêmes, constamment dans l'angoisse d'être écrasés par un plus gros. Et pour mettre fin à cette liberté criminelle et à l'anarchie de la concurrence, Louis Blanc propose, en effet, vous le savez, et 1848 va passer à l'acte, il propose non seulement la suppression de cette liberté-là, mais logiquement, il confie à l'État seul ce qu'il définit comme l'organisation du travail. L'organisation du travail suppose évidemment l'organisation par l'État de la production et de la distribution. Partout où le mot « liberté » apparaît dans le discours bourgeois, le socialiste, pendant un siècle, décèle le mal social et les sophismes qui le cachent. Je cite maintenant le marxiste Jules Guesde, « Tous les crimes de la bourgeoisie ont toujours été perpétrés
perpétrée au nom de la liberté de ceci ou de cela. La liberté est une abstraction fallacieuse, c'est pas moi qui parle. Dans l'antagonisme des classes, elle n'existe pas. Elle se ramène à la liberté de faire le mal et à la liberté pour le plus fort d'écraser le plus faible. Là aussi, je vous prends des arguments qui sont anonymes parce qu'ils ont un siècle de vie utile, si je puis dire. Libre de travailler, c'est quoi pour un ouvrier être libre? C'est libre de travailler comme un esclave ou de crever de faim. Jolie alternative, n'est-ce pas? Sans l'égalité. Alors, l'égalité n'est pas suspecte, sauf qu'en effet, ce qui est suspect, et là aussi très typiquement représenté comme un mensonge bourgeois, c'est l'égalité juridique. L'égalité qui interdit à la fois aux Rothschild et aux clochards de dormir sous un pont. Qui veut dire que cette égalité est la perpétuation d'une inégalité. Donc il n'y a pas, dans un tel régime bourgeois, de liberté qui tienne. Alors, si la démocratie électorale est donc donnée comme une mystification au service des privilégiés, c'est que le peuple dispose d'une autre manière décisive d'imposer un jour sa volonté, une façon de l'exprimer où il ne sera pas atomisé en individu avec un piteux bulletin de vote dans la main, mais où il s'apparaîtra à lui-même dans son essence historique, la rue, la barricade, la manifestation, l'émeute, l'insurrection, la révolution, légitime expression de la colère des masses. Et en effet, les bourgeois de 1789 avaient soufflé contre l'oppression, l'insurrection et le plus sacré des devoirs. C'est ce qu'ils avaient dit en 1789, ils l'avaient oublié. Et vers 1830-40, c'est l'extrême-gauche socialiste qui se le rappelle. Donc maintenant, il faut voir que le mot de révolution aussi, c'est le problème essentiel de l'histoire des idées, c'est un mot à géométrie variable dans la durée. Dans les écrits socialisants d'avant 1848, il est vrai que les socialistes utopiques, les fourriéristes, les saint-simoniens attendent la révolution, mais l'idée essentielle est qu'ils ont encore le souvenir de l'an 2 et de la terreur. Autrement dit, ils ne souhaitent pas que ça finisse comme en 93 avec la guillotine sur la place de Grève. Et donc personne n'a envie de recommencer 93. Un fourriériste écrit « C'est un faux prophète ». Celui qui chante un avenir dont la guerre civile serait l'avant-coureur. Peut-être plus clair. Mais la révolution est néanmoins toujours attendue. Ce sera une révolution pacifique, ça nous paraît un oxymore, ça marche sous Louis-Philippe. C'est une révolution pacifique. Et elle est, parce qu'il faut savoir comment le socialisme articule les deux notions, l'une qui est dominante, hégémonique, celle du progrès. La révolution est un moment d'accélération, c'est tout. C'est un progrès accéléré. Et Victor Hugo, qui a un petit côté bonapartiste, utilise l'image de la marche forcée. La marche forcée, la révolution, c'est le peuple sera rudoyé, mais il finira par marcher. Il aura marché jusqu'à son émancipation. Et donc la révolution supprime un obstacle. Elle fait gagner du temps à l'humanité. Voilà. Elle est une explosion de progrès comprimé, écrit un socialiste en 1850. Michelet et Hugo ne disaient pas vraiment autre chose. La démocratie est une figure de la lenteur et du compromis. La révolution, qu'on lui donne un contenu violent ou relativement pacifique, s'entend comme l'opération d'une coupure radicale, comme le seul moyen, ça aussi l'expression, est le seul moyen de tout changer. Elle est censée rendre possible l'éradication d'un seul coup des maux sociaux, la destruction du vieux monde, c'est à quoi c'est dont se moque justement, parce que c'est un méchant bourgeois, Flaubert, dans l'éducation sentimentale, un socialiste qui dit « Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas encore supprimé par un décret la misère et la prostitution ?» Et cette phrase qui paraît ridicule est en effet typique d'une manière de concevoir le fait qu'on pourra détruire le vieux monde injuste et le reconstruire sur des bases bonnes et définitives. Dans les classes privilégiées, par contre, nul ne comptait sur un scénario pacifique si les rêveries socialistes s'emparaient des masses et les transformaient en cauchemars. Ça, c'est aussi une image de l'époque. Tant que les masses rêvent, ça va, mais on passe à l'acte, ce sera le cauchemar.
Et après, ça va continuer aussi, cette représentation du cauchemar. Après 1871, la Commune de Paris va servir d'unité de mesure aux prédictions alarmistes. La prochaine révolution sociale sera 10 fois, elle sera 100 fois plus effroyable que les massacres de la Commune. Or, en effet, si le socialisme romantique avait été utopique, comme le qualifie Engels dans Von der Utopie zur Wissenschaft, là, le socialisme scientifique ne sera pas pacifique, et la science de l'histoire découverte par l'ami d'Engels, Karl Marx, démontre au contraire la nécessité et la fatalité d'une révolution violente. C'est la dernière phrase du Manifeste der Kommunistischen Partei, qui accouchera du régime collectiviste. Accouchera, encore une fois, parce que je suis analyste des discours, c'est la grande image maïotique de Marx, la révolution est l'accoucheuse des sociétés. Parce que Marx avait besoin d'une image dans laquelle quelque chose qui se produit dans les cris, la douleur, la violence, néanmoins, en effet, accouche de l'avenir. Et donc l'image de l'accouchement va se retrouver, c'est un accouchement au forceps, hein, la révolution de Marx, mais enfin n'empêche, elle va se retrouver, la grande image maïotique, c'est la société est grosse de l'avenir, et la révolution va faire accoucher la vieille société qui va mourir en couche. Enfin, c'est une image assez gothic novel. Okay. Donc, le changement fondamental vers le dernier tiers du 19e siècle n'est pourtant pas ici. La grande différence entre les deux phases de l'évolution du grand récit révolutionnaire, ça c'est vraiment essentiel, ce changement, c'est que le discours prédictif n'est plus tellement inscrit dans l'annonce d'une révolution prochaine, que dans la démonstration aussi présente chez Marx, et essentielle, excusez-moi, c'est ça qu'on retient de Marx, de l'effondrement fatal à moyen terme du mode de production capitaliste. Avec la révolution n'est plus qu'un coup d'épaule que donne le prolétariat, un édifice qui est de toute façon condamné. Et donc, parce qu'il y a l'historicisme de Popper, c'est-à-dire un déterminisme historique qui fait que le mode de production capitaliste va s'effondrer à court terme, il est un... là aussi, Marx cite Goethe, n'est-ce pas, le Zauberlehrling, il est l'apprenti sorcier. Il est l'apprenti sorcier qui a déchaîné des forces souterraines, les Unterirdischen Gewalten, cet apprenti sorcier ne contrôle plus la société qu'il a lui-même engendrée et va se trouver balayé par elle. Autrement dit, la bourgeoisie produit avant tout ses propres fossoyeurs. Je vous fais remarquer une chose essentielle, ce qu'on appelait le marxisme n'a retenu de Marx que les métaphores. Il n'a retenu aucunement les idées, etc., et a retenu les métaphores. La société produit ses propres fossoyeurs, empruntés à Shakespeare, cette fois-ci. On ne sait pas quand c'est pas Goethe, c'est Shakespeare. Bien. Et donc, c'est quelque chose de très bizarre, parce que ça va durer un siècle. C'est l'idée de la rencontre inattendue entre la justice idéale et les tendances aveugles de l'évolution économique. Car ce n'est pas pour faire plaisir au prolétariat, ou par sens que la justice, que les lois de l'économie font faire que le mode de production capitaliste va s'effondrer. C'est parce que les contradictions dans le monde capitaliste entre le statut juridique de la propriété capitaliste, propriété individuelle, et la mondialisation de plus en plus grande de cette propriété la rend absolument ingérable. C'est le cas comme ça que raisonne Marx. Et donc... là, je vous cite Jules Guedde. Ça va, là ? C'est parfait, c'est parfait. Je vous cite Jules Guedde. Voilà. Quand les marxistes, vers 1880 ou jusqu'en... disent, nous condamnons... En 1830, on condamne la plutocratie, la bourgeoisie, etc., au nom de la justice. Mais une dénégation, une verneinung fondamentale caractérise le marxisme. Ce n'est pas nous qui avons condamné la forme individuelle de la propriété privée, des moyens de production et d'échange, c'est le machinisme. Ce sont les forces productives gigantesques déchaînées par la science qui fait que le seul régime concevable est l'appropriation collective
des moyens de production et d'échange, c'est-à-dire le collectivisme ou le communisme. Donc la brochure tirée par Paul Lafargue de l'Anti-During, Socialisme utopique et socialisme scientifique, est le seul texte du matérialisme historique à avoir été vraiment diffusé et lu dans le monde européen avant 14. Et là aussi, je pense que ce serait très important de savoir que personne n'a lu Le Capital. J'ai lu le premier volume dans ma vie, et mais jamais le deuxième et le troisième. Je n'ai jamais connu personne qui ait lu Le Capital, et certainement pas Jules Guette. Ah bon, les trois volumes. Ah oui, bravo. Allez, écoutez. Enfin, n'empêche, je veux dire simplement Jules Guette, De Ville, les marxistes, Lafargue, etc., qui sont des littéraires. N'ont évidemment rien compris au calcul économique de Marx. Ils ont retenu le manifeste communiste, ils ont retenu le petit bout dans l'Anti-During, etc. Et c'est ça qu'ils ont lu. Et qu'est-ce qu'il raconte, l'Anti-During ? Il dit « L'effondrement prochain et inévitable, l'effondrement prochain et inévitable du mode de production capitaliste, et la révolution vient dans la foulée ». Alors même si on égorge quelques bourgeois, c'est vraiment quand même, si vous voulez, c'est un truc en bas de page, c'est pas très important. Transformant en propriété d'État, quel est le rôle du prolétariat ? Il va transformer en propriété d'État la propriété privée. Le prolétariat abolit les classes sociales, c'est l'expression d'époque, hein, en s'abolissant lui-même en tant que classe. C'est-à-dire, il n'y a plus de classe dans la société. Comme il n'y a plus d'exploités, il n'y a plus non plus d'État au sens bourgeois. Il y a encore un État qui fait des ponts, qui entretient des routes, etc. C'est vrai. Mais l'État, justement, réduit parce que c'est plus un État gendarme. L'État gendarme, c'est celui qui empêche les pauvres de s'emparer des biens des riches. Bon. Donc, comme je vous l'ai dit, vers 1830, la fatalité de la Révolution était alléguée. Mais elle était alléguée pour des raisons morales. Hein. L'ordre actuel est trop rempli d'iniquités. On n'étouffe pas le droit. Une idée juste finit par triompher. C'est comme ça qu'on raisonne sous Louis-Philippe. À partir de 1880, c'est pour des raisons économiques que le capitalisme va disparaître. Et le prolétariat n'a qu'un rôle. Il peut hâter le moment de sa délivrance en se tenant prêt, c'est-à-dire en étant membre d'un parti organisé, du prolétariat conscient et organisé. Alors, dans ce contexte historique nouveau, qui est décrété pré-révolutionnaire, la démocratie et le suffrage universel apparaissent plus que jamais comme un moyen de prolonger l'agonie du capitalisme condamné, et condamné à plusieurs sens, et condamné par les médecins, et condamné comme un édifice, et condamné parce qu'il n'est plus habitable, et condamné au tribunal de l'histoire par les lois économiques. Bien, donc l'agonie du capitalisme, c'est pas la peine de la prolonger. Au contraire, c'est la révolution. Je vous cite Édouard Vaillant, le blanquiste. C'est la révolution et non le suffrage qui, émancipant le prolétaire, délivrant l'homme, fera l'égalité. Et il n'y a pas de plus grand danger pour la cause populaire que l'erreur qui égarerait le peuple militant par la croyance dans le suffrage universel. Celui-là ment ou s'abuse, qui déclare que pour le peuple, le vote peut remplacer le fusil. Et Vaillant paraphrase la phrase finale du manifeste communiste. Les communistes déclarent ouvertement que leurs fins ne peuvent être atteintes que sans le renversement violent de tout l'ordre social qui a existé jusqu'à présent. Alors, je vais passer deux ou trois trucs, mais j'arrive à ce qui est essentiel, qui est l'autre grande opposition, mais elle est liée à la démocratie, c'est réforme ou révolution. Ouais. Réforme ou révolution, je pense que c'est Rosa Luxembourg qui fait une brochure de ce titre. En effet, la thèse clé, comme vous le voyez, était celle du mal capitaliste croissant. Ça allait de plus en plus mal. Et cette thèse amenait à conclure à la vanité et même à la nocivité de toutes espèces de réformes. Le système capitaliste suivant sa pente aggravait fatalement l'exploitation et l'étendait. Exploitation des travailleurs indépendants, des petits paysans et même des petits capitalistes, concentration industrielle, monopole, cartel, trusts mondiaux. Autrement dit, le nombre des capitalistes se réduisait extraordinairement.
et le nombre des exploités, des petits commerçants réduits au chômage, etc., croissait proportionnellement, et un jour, il resterait deux ou trois capitalistes auxquels le prolétariat viendrait sonner chez eux en disant « voilà, c'est fini, vous rendez les clés, et voilà ». Très bien. Dans ce contexte, la doctrine du mal inévitablement croissant a servi aux leaders résolus pour désavouer d'avance ce qu'ils appelaient les réformes partielles. Les réformes partielles, justement, parce que Bismarck, en offrant des retraites ouvrières, montre bien que ce n'est pas par un excès de gauchisme sentimental que Bismarck crée des retraites ouvrières, c'est-à-dire justement que les retraites inventées par la bourgeoisie sont le moyen de retarder la révolution. Et l'embrayeur de toutes les phrases, le shifter, comme on dit, c'est « la révolution seule pourra ». La révolution seule pourra, et ça permet aussi dans les rangs socialistes de la Deuxième Internationale d'empêcher tous les gens qui voudraient « vous voulez supprimer la révolution ?» Pas du tout, car l'émancipation des femmes ne pourra être que la conséquence d'une révolution prolétarienne. Donc restez tranquilles, pas de féminisme, ça nous fait perdre du temps. Vous faites du militantisme anti-alcoolique. Mais on n'a rien à foutre. L'alcoolisme disparaîtra le jour où les ouvriers seront émancipés, etc. Donc vous avez cette réponse constante qui est « bougez pas, restez dans le rang ». Bon. Alors le capitalisme va de mal en pis, est irréformable. Les activistes anti-alcooliques, je vous l'ai dit, voilà. « L'alcoolisme, cette plaie lamentable de l'humanité que tout le monde déplore, ne disparaîtra qu'avec le régime d'exploitation actuel ». C'est tout à fait le raisonnement. La France, très tard, impose vers 1910 des retraites ouvrières, c'est-à-dire oblige le misérable ouvrier à prendre sur un salaire de famine une cotisation pour une retraite dont il ne profitera pas parce qu'il sera mort avant. C'est un raisonnement tout à fait typique de l'époque. Je vous cite Jules Guesde, c'est pas souvent. Hein. Les retraites ouvrières, c'est quelque chose de très beau. C'est une excellente chose pour les bourgeois. Sur des salaires de famine, on prélève quelques centimes pour que l'ouvrier ne crève pas de faim à l'âge de 65 ans. Et bien entendu, les marxistes orthodoxes étaient plus malins que ça. Ils étaient forts en casuistique à leur manière. Quand ils sont contre le réformisme, ils ne sont pas contre toutes les réformes. Celles arrachées par le parti sont de bonnes réformes. Hein? Surtout si la bourgeoisie fait mine de résister. C'est les mauvaises réformes, c'est celles qui sont susceptibles de démobiliser les travailleurs, etc. Bien. OK. Autre élément qui converge dans la critique de la démocratie élective, c'est la notion de pourriture parlementaire. Pourriture parlementaire est la transposition ironique d'une expression tout à fait courante qu'on appelle au Québec aujourd'hui maladie nosocomiale, c'est-à-dire la pourriture d'hôpital. En effet, quelqu'un arrive relativement bien à l'hôpital, mais au 19e siècle, le milieu est tellement rempli de bactéries et de virus qu'il en sort mort. Hein. Donc ça s'appelait pourriture d'hôpital, notamment la gangrène qui s'installait chez des gens qu'on venait d'opérer parce que l'hôpital n'était pas bien géré. Et donc le mépris du parlementarisme traverse au 19e siècle, qui se trouve chez les bourgeois et les conservateurs. L'idée que les parlementaires sont des gens pourris, sont des pourris. Mais les socialistes disent la même chose, mais pas tout à fait. Ils annoncent au monde que sur les ruines du parlementarisme bourgeois, le prolétariat prendra le pouvoir. C'est une phrase tout à fait utopique dans son abstraction. Le prolétariat prendra le pouvoir pour instaurer la justice sociale. Et toujours, quand on vous décrit la révolution, l'un des premiers actes de la révolution sera de s'emparer du palais Bourbon à Paris, siège de l'Assemblée nationale, et d'en chasser les députés attablés à l'assiette au beurre. C'est Jésus chassant les vendeurs du temple, etc. Chez William Morris en Angleterre, le Westminster a été transformé par les socialistes en dépôt de fumier après la révolution. Bien. Alors, je ne sais pas combien, on prend encore 2 minutes, là. Bon, d'accord, OK. Le socialisme électoral, donc,
Bon, l'idée du social, bon, j'ai passé. Je vais vous dire quelque chose d'important. Je vais plutôt me centrer là-dessus. Je passe donc sous toutes les expressions de l'antiparlementarisme de l'extrême gauche en France à la fin, au tournant du 19e et du 20e siècle, pour poser une question qui est sous-jacente à ce que j'ai insinué, j'espère avec justesse, qui est la connexion de ces idées avec l'extrême droite, c'est-à-dire ce que T.F. Sternhell a appelé le « ni droite ni gauche », la connexion des idées anti-parlementaires et antidémocratiques avec l'extrême droite, que l'on voit se faire particulièrement en France. C'est ce que Sternhell a essayé de démontrer dans son tout premier ouvrage sur la droite révolutionnaire, était le titre, hein, c'est-à-dire l'apparition de quelque chose qui n'est ni une droite orléaniste, ni une droite bonapartiste, mais une droite que Sternhell appelle préfasciste, c'est-à-dire justement une convergence. Georges Sorel, intellectuel autonome, vivant de sa retraite d'ingénieur, est l'auteur de très grands livres, L'avenir socialiste des syndicats, La décomposition du marxisme, le premier qui voit que le marxisme est devenu une religion séculière, et qui le dit, Réflexion sur la violence, et il adhère, c'est un homme marginal, bourgeois, ingénieur retraité, il adhère à la ligne syndicaliste révolutionnaire, c'est-à-dire la ligue la plus dure qu'il soutient dans le mouvement social, et il a intériorisé les principes de cette ligne. Action directe des organisations ouvrières, c'est ça le mot, action directe contre la molle démagogie des politicards socialistes, parce que les politiciens socialistes sont très vite déconsidérés par le fait qu'ils se font réélire et qu'ils vivent d'une manière de plus en plus lointaine du peuple. Et donc, il va donner une version théorique à cette idée d'action directe qui dénonce certainement une puissante intelligence au service d'une véritable haine de la démocratie parlementaire. Alors, quels sont les termes du réquisitoire dressé en synthèse par Sorel ? 1. La démocratie est absurde. C'est la thèse qu'il retire de Auguste Comte. Les dogmes de la souveraineté populaire, de la volonté générale et de la délégation parlementaire sont purement métaphysiques. 2. La démocratie est le règne de la médiocrité. C'est un régime fondé sur la confusion des classes et qui est dominé par les bavards, les avocats et les non-producteurs. Ça, c'était déjà une idée, comme vous le savez, saint-simonienne. 3. La démocratie est et demeure une mystification organisée par la classe bourgeoise et qui perpétue le statu quo. Elle est encore, dit Sorel, un instrument de démolition des traditions nationales. Et là, l'Action française et Maurras va se mettre à dire « il y a là une idée ». Et le vieux Sorel, en 1918, mais c'est rare quand on trouve quelqu'un qui dit la phrase qu'on attendait, en 18, il écrit à un ami « C'est à cause de cette haine de la démocratie que j'ai beaucoup de sympathie pour Lénine et ses compagnons. » Et dans un autre texte que je ne vous citerai pas, du reste, Sorel, qui va mourir vers 22 ou 24, n'est-ce pas, Sorel compare avec la même sympathie Mussolini et Lénine. Et c'est tout ce qui est tout à fait logique dans le raisonnement qu'il développe. Et donc l'antidémocratisme de gauche fait au début du XXe siècle sa connexion avec l'extrême droite. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un paradoxe qui a été remarqué par un grand essayiste de l'époque, qui s'appelait Guy Grand, Le procès de la démocratie, un livre qui mérite d'être relu, parce qu'il voit très bien que la démocratie française est prise en tenaille par l'extrême droite d'Action française et l'extrême gauche syndicaliste révolutionnaire, et que ces gens ne demandent qu'à s'entendre. Mais est-ce que ça va se passer ? Oui. Ça va se passer dans une petite revue que vous trouvez sur Gallica qui s'appelle « Les cahiers du Cercle Proudhon ». Les cahiers du Cercle Proudhon est une revue fondée par les jeunes disciples de Sorel et qui paraît à Paris en 1912, 13 et 14, où s'exprime l'idéologie en gestation d'une droite révolutionnaire national-socialiste, anticapitaliste, ultranationaliste et autoritaire. Il manquait que celle-là. Et c'était logique que ceci arrive un jour.
figure en effet typique du préfascisme. « La démocratie, je les cite, est la plus grande erreur du siècle passé. Il est absolument nécessaire de détruire les institutions démocratiques. La démocratie a permis, dans l'économie et dans la politique, l'établissement du régime capitaliste qui détruit dans la cité ce que les idées démocratiques dissolvent dans l'esprit, c'est-à-dire la nation, la famille, les mœurs. » Ça, c'est Marine Le Pen, ou c'est enfin le Blutenbrock nazi, n'est-ce pas ? C'est la nation, la famille, les mœurs, en substituant la loi de l'or à la loi du sang. Phrase très typique de quelque chose, on est quand même avant la guerre mondiale, justement. Bon, je pourrais vous citer longuement Émile Pouget, je recommande le livre de Pouget, si, je ne sais pas s'il est sur Gallica, qui s'appelle « Comment nous ferons la révolution ?» Pouget est un des grandes figures de la CGT, théoricien du syndicalisme CGT, et « Comment nous ferons la révolution ?» montre comment un syndicaliste, vers 1910, conçoit que ça va se passer, et la société qui sort, c'est quasiment caricatural, la société qui sort de son projet est à donner froid dans le dos. Bien, mais enfin, peu importe. Le syndicalisme, on supprime l'État et les syndicats remplacent l'État. Et tous les humains sont forcés de se syndiquer pour peu qu'ils soient bons à quelque chose, etc. Mais enfin, on peut envoyer à la production, comme vous le savez, les prêtres, les prostituées et les avocats. C'était la grande idée de Jules Guesde. Vous voyez qu'on peut augmenter la production considérablement en envoyant à l'usine les improductifs. Bon. OK. Alors je termine avec une synthèse. Bon. Je termine ou je termine pas ? Si, termine. Bon, je termine. Donc la critique de la démocratie complice des mots sociaux, même sous sa forme un peu sophistique, a été à l'extrême gauche, c'est ça que je voulais vous montrer, d'une remarquable persistance, une remarquable continuité. Je pense pas seulement au fameux sophisme de jadis stalinien sur la démocratie formelle, hein, qui prouvait que la démocratie soviétique était très supérieure à la démocratie formelle des sociétés bourgeoises. Je vous rappelle qu'un des gourous de notre jeunesse, Herbert Marcuse, dans son Unidimensional Man, jugeait péremptoirement la démocratie comme un système de domination plus efficace que le totalitarisme. Pas tout à fait faux, et dès lors plus condamnable. Bon, mais je voudrais aussi rappeler que cette critique de la démocratie, d'une part, n'a jamais baissé pavillon, mais n'a non plus pas eu vraiment le champ libre à l'extrême gauche. La polémique pour ou contre la démocratie, pour ou contre l'exercice du suffrage universel et pour ou contre la démocratie représentative, a été, dans les deux siècles modernes, au centre de débat, et elle a en fait décidé des lignes de clivage dans les militantismes. Mais évidemment, avec si vous avez une vision romantique de l'histoire, les socialistes réformateurs sont évidemment moins grandioses que les gens qui voulaient la révolution tout de suite, mais n'empêche. Il y a simplement, c'est ça que je voudrais vous dire, il y a une continuité cognitive dans la critique sociale et la vision du monde qu'elle a engendrée depuis l'apparition des grands récits romantiques jusqu'à nos jours. Le long XIXe siècle, de 1815 à 1917, a été le laboratoire d'une invention idéologique foisonnante, invention qui demeure cependant contenue dans un cadre de pensée spécifique et dans un canevas rhétorique constamment réutilisé. Après quoi, le court XXe siècle, si vous voulez, 1917-1989, enfin la chute du mur de Berlin, le court XXe siècle est passé à l'acte. Mais on ne peut pas comprendre ce passage à l'acte sans voir un siècle d'argumentation poussant dans un certain sens. Les thèses selon lesquelles la démocratie, fondée sur l'arbitraire d'opinions changeantes et manipulées, fait obstacle à toute gestion rationnelle et humaine de la société, ne sont, comme on l'a dit ce matin, je le rappelais, ni extravagantes ni indéfendables. Le tout est de voir quelles conséquences on tire de ces prémices et quelles contre-propositions ceci vous inspire si vous n'acceptez pas la vieille
l'idée désenchantée d'un vieil homme d'État ultra-conservateur que la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. L'antinomie entre l'exercice de la souveraineté populaire et l'impossible égalisation des conditions est l'antinomie essentielle de la démocratie, ou plutôt la trop lente, imparfaite et résistible égalisation que promeut vaille que vaille le suffrage universel instigateur de l'État-providence ne peut qu'indigner ceux qu'anime une impatiente volonté de justice. À l'extrême gauche, depuis deux siècles, la démocratie a été condamnée au premier chef parce qu'elle semble organisée pour perpétuer les inégalités sociales et laisser toute liberté aux méchants. Mais enfin, en dépit d'une tendance à très long terme à l'égalisation, cet argument ne manquait pas de bonnes raisons. Il n'est pas ni un vrai sophisme, ni une faute grossière d'observation, que ce soit en 1830 ou en 1910 ou plus tard. Toute critique globale du présent dans cette modernité que nous appelons post-religieuse, s'est faite au nom d'un avenir prédit. Et de Saint-Simon aux socialistes scientifiques, d'un avenir scientifiquement démontré, car nul ne parle plus de sciences sociales que Fourier et Saint-Simon, bien avant Marx. L'avenir démontré inévitable. C'est justement ça qui s'est effondré, si vous voulez, avec le mur de Berlin et les dernières illusions, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait une orientation déterministe qui allait quelque part. Une des formes de la rationalité moderne, qui est celle des grands mots et des grands remèdes, se fonde ultimement sur une fiction, sur une conjecture, sur une foi dans l'avenir. C'est-à-dire qu'elle oppose cette logique fidéiste à l'autre rationalité, dite parfois positiviste, qui oppose invinciblement ce qui est, qui à ses yeux relève de l'argumentable, de ce qui pourrait être, qui échappe nécessairement au connaissable et tombe rapidement dans l'absurde. J'aurais pu faire aussi un autre sujet de thèse, rappeler l'évolution du mot même d'utopie. Le mot d'utopie change de sens à partir du moment, avec Victor Duruy, etc., où l'utopie devient en fait le cauchemar chimérique. L'utopie, le mot chimère et l'utopie deviennent synonymes, et donc ça fait peur. Georges Sorel, qui termine sa vie en mettant son... Il est un vieux monsieur, en 22, il met son espoir ultime simultanément en Lénine et en Mussolini. Il a cherché, lui aussi, en réalité, qui était en quelque sorte critique de ce que je vous raconte, parce qu'il a essayé de dégager une sorte d'épistémologie militante qui lui paraissait particulièrement inapte à concevoir le mouvement de l'histoire réelle et tout à fait étranger à toute tournure d'esprit matérialiste. Il qualifiait ceci, et ça c'est évidemment, ça marche très bien, des utopistes à Saint-Just, d'hypothèses intellectualistes, tout ce qui est rationnel devient réel et tout ce qui est souhaitable devient réalisable. Ce qui caractérise, ce qui caractérise en effet l'intellectualisme abstrait, dit-il, c'est que les concepts dont nous pouvons nous servir, souverain bien, unité du genre humain, égalité sociale, droit au bonheur, c'est des concepts, mais nous ne pouvons pas en faire des buts à atteindre. Ou du moins, si nous en faisons des buts à atteindre, nous changeons considérablement la perspective cognitive dans laquelle nous sommes inscrit. Alors le socialisme tel qu'il a été conçu au XIXe siècle jusqu'en 17 et au-delà est conçu comme un mundus inversus dans la vieille logique rhétorique, c'est-à-dire il est simplement un capitalismus inversus. Je renverse les données du monde empirique et ayant découvert que ça marche beaucoup mieux, je suis très content et je me dis qu'il serait bon de travailler dans ce sens. C'est ce que, mais là aussi, bien sûr, il faut aller lire des gens qui sont pas sympathiques, c'est-à-dire des sociologues de droite comme Pareto, parce que Vilfredo Pareto, justement parce qu'il est de droite, voit très bien ce qu'il y a de très bizarre dans les raisonnements des. Il se ralliera du reste à Mussolini, mais il voit très bien ce qu'il y a de bizarre dans les militantismes de son temps. Et ce qui est plus malin,
Il dit « Le militantisme scientifique de 1920 ressemble exactement à la manière de raisonner de Thomas More dans l'Utopie, sauf que Thomas More n'avait pas l'intention de passer à l'acte. Lui, il faisait vraiment une expérience mentale. Hein, mais Pareto dit « Voilà, il dit la plupart des le raisonnement que font plus ou moins sciemment les socialistes paraît être le suivant. A produit B qui est nuisible. C est le contraire de A. Donc, en remplaçant A par C, nous ferons disparaître B et les maux qui affligent la société cesseront. » Et donc, cette pensée antithétique et statique vient refuser, en effet, les réformes, parce qu'accepter des réformes, c'est accepter un bien relatif sur un fond de mal persistant. Vous voyez, il y a quelque chose d'inacceptable. Ce que j'essaye de montrer, c'est ce que les historiens appelaient une mentalité autrefois. Mais ce n'est pas du tout une mentalité. C'est des manières de raisonner qui, une fois qu'elles sont intériorisées, deviennent invincibles. Et cette manière de raisonner permettrait de comprendre comment, de Saint-Simon à Jules Guesde, de Jules Guesde au-delà et à Georges Marchais inclusivement, l'extrême-gauche a constamment raisonné suivant des logiques. Une logique, si vous voulez, qui est la logique par laquelle je ne peux pas me battre en pactisant avec le mal. Alors évidemment, si je suis un réformiste, je pactise. Mais quelles que soient mes bonnes idées. Et je termine avec une belle phrase. Du temps où on était heureux, c'est-à-dire en 1830, c'est un babouviste qui écrit ceci. Ça s'adresse à vous, aux hommes et femmes de l'avenir. « Tant qu'il y aura du mal sur la terre, ne fût-ce que pour un seul homme, la loi morale ne pourra pas dire, la société ne pourra souffrir que tous les autres jouissent sans considération de ces souffrances. » À partir du moment où vous avez ceci comme principe de vie, il est clair qu'il faut passer à l'acte. Voilà. Merci.